salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel, comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Mco Park et ça faisait longtemps. Bonsoir Big Snow. Coucou, ho ho ho. Alors, elle fait pas la pub de géant vert, hein. Comment ça va là? Je fais ça parce que t'as encore la tenue du Père Noël. Bah écoute, ouais. Ça va et toi? Bah ça va, nickel. Des cadeaux? Bah c'est... C'est ça. Bonne année aussi, hein, tant qu'on y est. Hein. Bonne année. Ah là là. Alors les amis, déjà, vous le voyez derrière nous. Bah ouais, en fait, là, il y a plein de choses qui ont été ajoutées, qui ont changé, mais ça, c'est rien encore. Et ça fait extrêmement plaisir. Un petit retour là-dessus, BXNO, là, enfin Marion, que tu sois de retour sur le serveur, là, ça te fait quoi, là? Bah écoute, ça fait un élan de fraîcheur, là. Ouh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça me fait du bien. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien au moral. Du coup les amis, on va tout simplement aujourd'hui vous présenter tout ce qu'on a fait en off, tout ce que BXNO a fait, tout ce que moi j'ai fait. Et écoute, je vais me laisser guider, tu vas me guider toi en première, je te follow. Moi je sais même pas qu'est-ce qu'on a fait et tout là. Tu sais quoi, alors on va faire dans l'ordre. Voilà ce que j'ai fait en premier moi, tout con, avant que Marion revienne activement sur le serveur. J'ai tout simplement ajouté des toilettes un petit peu partout sur le parc. Alors, je me suis pas foulé. C'est-à-dire que j'ai /copy/paste, hein. C'est exactement les mêmes toilettes que Marion a fait à l'entrée du parc. Mais du coup, on en a un ici, ce qui est super sympa. J'en ai mis un autre, alors on va passer en spectateur pour aller plus vite. On en a mis un dans le quartier Far West et Marion t'a dit que t'allais le customiser en mode... Ouais, bah, qu'on va essayer de pas non plus garder la même structure. Voilà. Enfin, garder, oui, la même structure, mais pas les mêmes blocs. Voilà, c'est ça. Donc, D'incruster ça sympathiquement. Quoi. Ouais, ça va encore, ça passe encore, mais voilà. Oui. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Avant de passer aux autres trucs que moi j'ai fait, maintenant je veux te follow, je veux que tu nous dises ce que t'as fait. Ben moi, qu'est-ce que j'ai fait Au niveau de la tour infernale. Bah alors déjà, on va aller à la tour infernale, du coup. Bah ouais, c'est une bonne idée, ça. Si jamais tu peux te TP sur moi. Je suis là. Juste là. Ben du coup, la tour infernale, qu'est-ce qu'on a fait? Ben déjà, on a refait le sol un peu, on a sorte de... Elle dit on, mais moi j'ai rien fait. On a incrusté ça et tout, parce que genre on avait juste un petit truc noir là. Et puis on avait en dessous, comme on veut faire la boîte de nuit, on avait des blocs noirs qui ressortaient du coup. Ben, la boîte de nuit. Finalement, j'ai fait comme, tu vois, comme s'il y avait une grosse goutte d'encre comme ça qui éclaboussait la place principale. Je vois puis ça. J'ai mis quelques blocs. Alors, je ne sais plus vraiment comment ça s'appelle. C'est la Gilded Blackstone. Alors, ne me demandez pas en français comment ça s'appelle, hein, franchement. Là, j'ai mis le... Ça, c'est le bois du Nether, le bois bleu, là. C'est le Warped FI. Exactement. Je suis une vraie quiche, c'est ouf. Ça, c'est les arbres du Nether, donc c'est les Crimson. Crimson, je crois que ça s'appelle. Hein. Oui. Ouais, c'est ça. Les arbres rouges, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Du coup, vraiment un petit thème Nether. Alors, c'est vrai que c'est la place principale, mais comme il y a le Nether qui est juste là-bas. Ouais, le final, quartier horreur. Un petit rapprochement, quoi, ça peut être pas mal. Ça, c'est l'entrée de la boîte de nuit, si je me souviens bien. Je sais pas où t'es. Ouais, c'est ça, là. C'est l'entrée de la boîte. Bon, y a encore rien là. Et de l'autre côté, il y a la sortie, et du coup, on a fait. On a habillé avec un toit dans le même style que la tour infernale, en fait. Voilà. Rester dans l'univers, en fait. Tout simplement. Voilà. Alors, il y en a qui diront que ça fait peut-être trop, mais en fin de compte, vous avez vu la grandeur du parc et tous les arbres de type jungle. Bah, clairement, c'est vraiment très minuscule ça, donc c'est parfait. C'est juste parfait. Et comme tu l'as dit, ça s'incruste bien avec le quartier horreur là-bas en mode Nether. Et justement, bah, c'est une belle transition. Je te propose qu'on commence tout de suite, enfin qu'on continue tout de suite par ça avant de parler de... Ok, bah vas-y, on va pas... Alors là, vas-y, on vous parle de ça. D'un côté, ça aussi, ça aide un peu entre guillemets, à s'incruster dans le thème Nether horreur. Elle a tout changé, tout ce que j'ai fait, elle a tout cassé. Mais tout cassé. On va dire recustom les autobox. Ouais, la tour fait quoi. De Nicolas quoi. J'ai changé le bois parce que vraiment je n'en pouvais plus du bois de jungle. Il y en a partout. Du coup, j'ai dit, tu sais quoi, autant partir sur du fun. Ah, c'est trop fun. et mettre le bois rose violet comme ça là. Pareil pour les poteaux, au lieu de garder les bûches de bois traditionnelles, j'ai pris la Blackstone. Ouais. Là, c'est là où on achète les tickets, quoi.
Le toit, j'ai fait un petit truc un peu disco comme ça. On d'ailleurs, pas de ticket. M'a appris quelque chose, m'a appris le fonctionnement des autobox, mais on s'en fout. Il n'y a pas le grillage et les longues tiges sur les. Ouais, mais je crois qu'ils ne sont pas tous comme ça, mais c'est ça, c'est parce que je lui avais expliqué. Parce qu'à la base, j'avais mis tout un truc de grillage au-dessus. Et elle était là en mode, mais il n'y a pas ça dans les autos tamponneuses et tout. Et du coup, je lui ai dit que si, dans les voitures à l'arrière, ils ont une sorte de câble. Une antenne, pardon, voilà, qui frotte au-dessus, quoi. Et voilà, j'ai fait un très beau mouvement incroyable. Ouais, je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Parce que, oui, bah, on n'achète pas les tickets dans un parc d'attractions. On peut y aller quand on veut. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est lui qui gère les machines, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais il faut pas des jetons, un truc comme ça. Bah, si tu veux des jetons, faut payer, mais on paye pas. Ouais, en théorie, pas, tu viens là. Mais non, mais t'es là, tu me dis, ouais, t'as jamais fait d'auto-tamponneuse quand t'étais petit, mais j'ai l'impression que tu connais pas grand chose des auto-tamponneuses, hein. Bah, en fait, moi, les auto-tamponneuses, je les ai tout le temps fait dans des. Comment ça s'appelle les. Fêtes foraines ? Dis-moi. Ouais, voilà, les fêtes foraines. Ah, ok. Foraines. Bah moi c'est justement parc d'attraction. Tu achètes tes trucs et voilà. Bah comme dans chaque attraction, bah oui. Mais là en l'occurrence dans un parc d'attraction, tu fais la queue comme tout le monde et puis dès que c'est à toi, bah tu rentres dans ton truc. Je vais dans les parcs d'attraction pour faire des grands vides, pas des auto-tamponneuses. Ah là, vas-y, je te suis. ah oui, juste attends, là derrière, pour rester dans le thème, j'ai fait un petit jardin avec les arbres du Nether et après j'ai enchaîné. Alors, peut-être que vous me direz que la transition est quand même vachement brutale, je suis d'accord, et je m'en fous. Mais vraiment non, on est dans un parc d'attractions, encore une fois, ce n'est pas... Autant les arbres, dans le RP, ils sont naturels, autant ça, c'est de la maquette. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de brutal. Dans aucun parc d'attractions, ils font un mélange entre maquette et naturel pour faire une sorte de transition magnifique. Personne ne fait attention à ça, tout le monde rentre dans les manèges, tout le monde s'en fout. Bref. Voilà. Du coup, là, voilà, des arbres de jungle pour rester dans le thème Tiki. Là, on a juste un peu fait le chemin, mais... On a tout relié, quoi. Ça s'arrête à ici, quoi. Ouais, et là-bas, vous connaissez, c'est le manoir hanté, là-bas, tranquillement. Et après, surtout, le gros changement, c'est le truc, là. On se demande c'est qui a fait ça, hein. On se demande, hein, Nicolas. Non, le changement, du coup, c'est vraiment tout l'espace Nether. Donc ici, Nicolas avait fait les deux allées pour aller à l'attraction. Donc ici, on a le Nether et là-bas, on a le... Je sais même plus comment on les a appelés. À vrai. Ça, non, ça, c'est la forteresse et l'autre, c'est le Blazer. Ok, la forteresse et le Blazer. Et entre, c'était vide. Il y avait juste de la pelouse et tout. Donc là, on a la sortie de l'attraction de la forteresse. On a un chemin qui retourne là-bas. Si jamais tu veux refaire un tour, donc tu vas directement. C'est magnifique. C'est magnifique. Tu passes dans la forêt, j'ai envie de dire, de Crimson. De Goupil, ouais, la forêt de Goupil, t'inquiète. Ouais, c'est trop stylé. Et du coup, tu rejoins l'attraction du Blazer. Ou sinon, il y avait un autre chemin qui rejoignait là-bas vers la citron. Voilà. Vers la citrouille. Attends, où ça? Bah, ah oui, voilà. Ce chemin-là, c'est ça. Qui va vers la citrouille. Franchement, c'est top. Et je pense que vous l'avez vu un petit peu là. Regardez, il y a des arbres et tout là-bas. C'est incroyable. Eh ben, c'est incroyable comme toi. Et ça fait genre, je me vante et tout. C'est moi qui ai fait ça. Bah, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à délimiter l'extérieur. Pour pas que ça fasse une map super flat. Et du coup, j'ai créé un petit peu des sortes de petites collines avec plein d'arbres de jungle. Alors là, évidemment, les chunks ne se cherchent pas correctement, mais je vous laisse imaginer. Et que globalement, bah, on puisse pas voir plus loin. Là, ça sert à rien de rajouter des arbres derrière. Personne ne verra ici, personne n'ira là. J'ai mis quelques petites barrières, voilà. Et j'ai fait ça un petit peu partout, tout autour de la map. Enfin, du parc, pardon, je vais vous montrer. On va faire le tour par ici. Donc là, on arrive au niveau de l'entrée du parc. Et donc, pareil, j'ai mis plein d'arbres, j'ai bombardé. J'espère que ça va pas trop faire bugger les petits PC quand même quand ils téléchargeront la map. Mais j'ai un peu peur, mais en tout cas j'ai bombardé de collines et d'arbres. On retourne ici, d'ailleurs petite parenthèse, comme ça on en parle, on a dit qu'on ferait un hôtel sur le parc. Et ben du coup, clairement on va le faire ici, sur cet espace là, parce que c'est juste à l'entrée et que ce chemin mène à rien. Et donc c'est juste parfait, c'est assez grand. Et je pense, tu sais quoi Marion, tu te rappelles de notre série qui était pas du tout paisible, sur Moonrise à l'ancienne? Ouais. Tu te rappelles, vers la fin de la série, on n'était pas dans une sorte d'hôtel?
Ah oui, ouais. Je verrais trop un truc comme ça. Ouais, le problème, c'est que pour moi, là, il n'y a pas assez de place. Enfin, mais en plus petit. En plus petit. Ouais. Mais genre, tu vois, avec une cour au milieu, tu vois. Ouais, pardon. Et ouais, après. Juste, je disais qu'il faudra voir après pour aménager le paysage, là, pour vraiment avoir un truc beau. Genre que t'aies une vraie belle vue quand tu vas à l'hôtel. Tu... C'est clair, c'est clair. Bah, du coup, en parlant de ça, on va continuer ici au niveau du dauphin. Donc là, pareil, j'ai rajouté des arbres, des collines. Voilà, et ça change. Enfin, je suis trop content parce que c'est tellement con, je pensais pas, mais ça change tellement tout. Quand t'es là, que tu complexes à te dire, ouais, ton parc, j'ai un peu peur de comment ça rend et tout. T'as juste à oublier que c'est une map flat et à renfermer ton parc comme ça, et ça change complètement tout, je trouve. C'est beaucoup trop bien. Je rappelle quand même que, voilà, là j'ai rajouté des collines, il n'y a encore pas d'arbres dessus, j'ai oublié. Là-bas, il y a la route et tout qu'il faudra faire, mais c'est vraiment juste visuel, hein. Personne n'aura accès. Et je pense que vous l'avez vu en début de vidéo, ici aussi j'ai rajouté donc des petites collines. Je vous explique ici, j'ai encore rien fait parce que je sais pas trop. J'imagine bien que Marion, tu vas faire des trucs ici au niveau du Far West. Et c'est pour ça que j'ai encore rien mis. Là où il y a le champ de blé. Ah oui, ouais. Bah, donc voilà. Ouais, on pourra faire des trucs. Voilà, c'est pour ça que j'ai préféré repartir d'ici la colline. Et vous allez voir, ça va rendre trop bien aussi. Sans me jeter des fleurs, ah s'il vous plaît. Mais quand on prend ce chemin là, ça change complètement tout d'avoir ça là. Alors, laissez les chunks charger, attendez. Je vais un peu aller par là pour que les chunks se chargent. Mais j'adore ce plan. Vous allez voir, vas-y, charge. On retourne ici. Regardez. T'es là, tu marches. Et c'est juste, bah c'est juste trop bien en fait. T'es vraiment dans ton univers. T'es dans le vrai parc d'attractions finalement. Parce qu'avant, c'était plat, tu savais pas ce qu'il y avait. Et j'aimais pas. En fait, j'aimais juste pas. Donc j'ai fait ça tout le long. Voilà, ça je peux vous montrer. Je peux faire tout le tour, c'est incroyable. Bon là, après, on a l'attraction, le Safari Race. Et j'ai de gros problèmes avec le Safari Race. Et je termine avec ce côté encore là, parce que, bon, vous voyez cette attraction, enfin ce trait bleu, je pense que vous avez tous deviné ce que c'est, on va vite fait en parler juste après. Là, j'ai ajouté des arbres, j'ai aussi mis du bois de birch un peu pour changer, parce que ben, on n'est pas forcément entouré de la même forêt, hein. Clairement, j'ai ajouté des barrières ici, pour délimiter, même si en théorie personne va arriver jusqu'ici, mais c'est pour pas que les gens de l'extérieur puissent rentrer dans le parc, comme dans la vraie vie, vous voyez. Donc c'est logique, là pareil, des petites collines pour... Franchement, je suis fier de mes collines. Hein. Non, mais vraiment, ça change. On se croirait dans une map générée aléatoirement classique, je trouve, en vrai. Hein. Mmh. Voilà. Oh, ici, obligé, je vais faire un Elder Dragon. Attends, je sais pas encore où t'es. Oh ah. Si, je vais faire une statue d'Ender Dragon. Eh, c'est carrément une bonne idée. C'est juste carrément une bonne idée. Ah, bah, j'ai rajouté des toilettes ici aussi, les gars. Voilà. Je vais mettre un panneau pour me le. Ouais, carrément, fais ça. J'ai rajouté les toilettes ici, à côté du restaurant, donc. Et voilà. Le truc bleu, donc, c'est va être le tour, en fait, le train panoramique qui fera le tour du parc. Donc, il n'est pas encore fait, il n'est pas encore fini. Ça commence juste ici. Voilà, pareil, à l'entrée du parc, juste ici, tu te mettras là. Bam, je vous montre un peu les piliers, comment ils sont. Ça va, tranquille. C'est pas une attraction lourde, c'est pas une attraction rapide, donc il n'y a pas besoin de gros trucs. En tout cas... C'est plutôt sympa, sur une seule rail, c'est nickel. Ceux qui diront que c'est pas réaliste, les gars, bon, faut faire un tour à Europa Park, hein. C'est même pas une rail le truc, c'est juste un... Je sais même pas comment appeler ça, si c'est une rail, mais c'est tellement fin. Donc là c'est pareil. Bah, c'est un rail, si c'était sur le dessus, j'ai cru que t'étais... à moins que t'es approché. Je sais même pas, je sais même pas. Je sais même pas, mais dans tous les cas, on peut s'imaginer la même chose. Et encore, dernier gros truc, les amis, très bonne nouvelle, le train fantôme, je l'ai terminé. Voilà, je l'ai officiellement terminé. Il ne me reste plus qu'à composer la musique et faire les effets d'ambiance sonore. Et après, c'est fini. Et j'ai ajouté des mannequins, je vais vous les montrer. C'est plutôt pas mal. Voilà, un petit mannequin ici, quand tu prends la file d'attente juste là. Et les mannequins ici, voilà, c'est juste le petit ajout. Les caméras ici, je sais pas si j'avais montré ça en vidéo, mais bah maintenant, je vous les montre. Et sinon, à l'intérieur, il n'y a rien qui a changé pour le coup. À part que j'ai mis plein de caméras un peu partout bah pour faire genre que là, les gens puissent regarder. Voilà, je sais plus si j'avais montré ça en vidéo. Dans tous les cas, voilà. C'est une bonne idée ici, la tête d'Ender Dragon quand même. Hein. Mm-hmm. Hey, il y a encore un truc qu'on n'a pas montré, que t'as pas montré. Mais moi, j'ai encore des trucs à montrer. Hein. Ah bah top, vas-y, à toi. Et du coup, je suis pas où t'es. Je suis là avec toi. Donc aussi ce qui a été fait, alors je sais plus si les arbres on les avait fait en vidéo. Je sais plus. C'est vraiment plus, dans tous les cas si jamais on l'a pas fait dans une vidéo,
Voilà. On a fait des arbres bleus dans le thème bleu du Palais des Glaces. Et... pardon, j'ai la gorge un peu enrouée. Oui. j'ai planté de la pelouse. Et en fait, j'ai mis que des fleurs bleues et blanches pour toujours rester dans le thème bleu. Alors, il reste quelques fleurs jaunes que j'enlève dès que je vois. Mais du coup, tout autour du palais, j'ai mis des fleurs bleues et jaunes pour rester toujours dans le thème de la glace, j'ai envie de dire. Ah, tu t'es trompé, t'as dit qu'il y avait des fleurs jaunes que tu voulais enlever. Ouais. Bah du coup, t'as dit que t'as mis des fleurs jaunes et blanches pour... jaunes et bleues pour rester dans l'univers. Ah merde, bon ouais, ça va, vous avez compris là. Mais ça va, ça dérange pas les fleurs jaunes là. Non, ça va. Au contraire. Et surtout... le rouge et tout, tu vois, mais je préfère rester, voilà. Ça marche. Et est-ce qu'on en parle, genre Nicolas, il voulait mettre son rail là, genre là, il voulait le faire passer là devant le palais, ça cachait tout. Yes, elle est grosse ambiance. Donc voilà, elle a dû me faire faire tout un détour là, relou, oh là 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 là. Putain, en plus, t'as une belle vue sur le palais, oui. Tu passes derrière le cerisier mais bleu oui. Là. C'est top là, et comme là, ça. Wow. Wow, et wow. Je crois que c'est la dernière chose là qu'il y aura à montrer. J'ai un peu repris la roue aussi, j'ai un peu changé le petit cabanon là, j'ai fait tomber le toit genre de un bloc comme ça, histoire que ça s'arrête pas juste les murs et après hop il y a le toit. Oui Marion, oui je sais que je suis mauvais en build, c'est pas la peine de le rappeler à tout le monde le sait. Après j'ai rajouté un peu de verdure là autour de la file d'attente parce que vraiment ça me stressait qu'il y ait la file d'attente posée comme ça en plein milieu. Mais c'est clair. Je vous avoue franchement j'ai eu du mal à trouver comment je peux faire une séparation et du coup ben, finalement j'ai juste mis de l'herbe, j'ai mis quelques arbres là. Ici pareil à la sortie deux arbres avec quelques fleurs, des petites lanternes et à l'intérieur en fait j'ai fait, je sais pas comment on appelle ça. Une genre de plateforme comme ça en bois où du coup ça attire les trucs, tu vois. J'avais même pas vu! C'est énorme! C'est énorme, c'est trop bien! Parce que les gars, juste parce que des fois je fais des têtes parce que je suis toujours impressionné et je suis trop content de comment ça rend maintenant. Mais donc tout ce qu'elle vous montre, moi je l'ai déjà vu puisqu'on a fait des trucs ensemble. La grande roue, on l'a pas fait ensemble. Mais ça, j'avais pas vu! C'est trop bien! C'est trop bien! Cool! Oh, ça tue! Oh, j'avais oublié ça, moi. Ok, génial. Merci. De rien. Et voilà. Mais il y a encore un truc que t'as pas montré sur les autobox. C'était ça que j'avais pensé aussi. Ah! Un petit détail. C'est vrai. J'ai essayé de faire une représentation d'une autotamponneuse comme ça. Oh, mais attends, mais je découvre toujours de... Putain, mais t'as fait des phares devant, mais c'est trop bien! Je voulais en faire à l'arrière, mais comme il y a le 21... Ouais, c'est fait un petit kiff. Et puis en plus, j'ai pas trouvé comment faire pour pas que ça fasse trop moche, quoi. Ouais, non, mais c'est bien comme ça. Tu vois, du rouge qui aurait dépassé ici. Tu vois, genre, ce que j'aurais pu faire, c'est prendre... Attends. Faire en direct. Ça. Tu vois, genre, j'aurais pu faire ça. Ou alors, j'avais pensé à... Si, ça passe. Hop, bah si, mais c'est très bien, ça. J'avais pensé à ça. Ah ouais, mieux. Si, go. De ouf. Non, c'est trop bien ça, c'est super. Ah ouais. Okay. Ah, je valide. Ça me dérange parce que du coup, on voit. Mais on s'en fout. Genre, y a des LED. Mais on s'en fout, il y a personne qui est censé aller là. Ouais, c'est pas faux. Dans le RP. Bah oui, parce que les amis, petit rappel, la map, une fois que vous l'aurez, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est pareil, si vous regardez mes arbres, là, ce que j'ai mis là. Si vous vous mettez derrière. Alors là encore, il n'y a pas de problème, attendez. Je vais vous montrer un exemple concret. C'est du décor. Si vous allez ici, regardez la maquette. Regardez, c'est pas des montagnes ça. Et c'est pareil, c'est encore pire ici, regardez. Si vous mettez derrière, ce n'est pas des montagnes, c'est horrible. Bah ouais, c'est le principe des... C'est pour faire semblant, hein, tout de même. C'est une map Minecraft. Donc voilà, non, c'est vraiment top, c'est vraiment top. Je suis trop content de ce qui se passe. Et de ce que t'as fait, de ce qu'on a fait. Mais de ce que t'as fait surtout, parce que... Voilà, pendant tout ce temps, moi j'avais posé des attractions par-ci par-là, tac, il y avait rien. Et là, tu vois tout ça qui apparaît, qui pop. Et alors, en plus, pour vous, les abonnés, ça doit être fou. Je sais pas ce que ça vous fait. N'hésitez pas à dire en commentaire de voir tout qui pop d'un coup et vous savez même plus où vous êtes, en fait. On sait même plus où on est, limite. Enfin, à force, moi, je connais par cœur. Je suis pas perdu, moi, dans le parc. Mais j'imagine que des fois, tu peux être perdu, quoi. Enfin, c'est trop bien. GG.
C'est top, merci. Laisse-moi dans mon bide. Ah, c'est top. C'est trop bien. Et ben, je pense qu'on a tout montré. Écoute, je crois aussi. Ça fait plaisir. Et ben, merci BXNO. Après, là, du coup, aussi, ce qu'il y aura à faire, on a encore pas mal de boulot, hein. Ouais. Entre la décoration, le comblage, entre guillemets. Alors d'ailleurs, je vais pas dire comblage, c'est vraiment genre on a voulu faire un truc grand et on comble comme on peut, et ouais, ça, ouais. Ça passe pas trop vite. Mais ce qu'il faudra surtout qu'on fasse encore, parce que là, finalement, la place centrale, ok, il y a les attractions, mais il y a, on va dire, aucune raison d'y rester. Genre, il faudra qu'on fasse des stands, des bars à snacks, des stands, des trucs comme ça, quoi. Clairement, il y a de la place pour en faire partout, hein. Ça va prendre quand même encore pas mal de temps, rien que d'avoir les idées, savoir comment on veut faire et tout, voilà. Bah en vrai, on peut en mettre vraiment partout, hein. On peut en mettre où on veut. On peut en mettre partout, parce que clairement, quand tu vas dans un parc d'attractions, tous les 10 mètres, t'as un truc pour acheter de la bouffe. Mais oui. Regarde, tu vois où je mets les piliers de stone ? Non. Je sais pas si ça va être compliqué quand même. Dis-moi. J'allais dire des distributeurs, mais c'est compliqué. Bah non, c'est pas compliqué. On fera ça, ouais. T'inquiète. Si, en plus j'ai une idée, j'ai plein d'idées pour comment faire. Pour une fois que je peux faire quelque chose. Donc voilà. Là où, regarde, j'ai mis des piliers de stone déjà pour dire que là, on pourrait très bien mettre un ou deux stands, tu vois. Ouais. Voilà. Ok, c'est cool, c'est parfait. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre fidélité devant la série et votre patience, parce que forcément, les épisodes, je vous l'ai déjà dit, c'est pas des épisodes très réguliers. On n'est pas toujours présent et on a du mal à... Enfin, on a du mal, on prend du temps pour avancer, mais en tout cas, voilà, ça fait du bien d'avancer, voilà, je pense qu'on peut le dire très clairement. Ça fait plaisir, merci à tous. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas, j'ai rien d'autre à dire. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'était Mkolo et BXNO, des bisous. Bisous. Ciao, ciao. Ciao.